Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale, on va ouvrir des coffres, encore des coffres, ok, donc du coup on va commencer par un petit coffre, on sait jamais au cas où vous voulez venir, ah non mais c'est gratuit, voilà donc du coup, au niveau de ça, bah c'est de la merde, ça on s'en fout, bon allez, du coup on va ouvrir des coffres. On va pas traîner. Donc du coup on commence par le coffre gratuit, hein. Bah nous ouais, on est comme ça, hein, le coffre gratuit, on aime ça. C'est gratuit, on profite. Alors 46 d'or. Toi déjà je sais même pas lire déjà, tu vois. Donc 46 d'or, 2 gemmes, OK, ça va pas nous servir, enfin pour l'instant non. 5 hordes de je m'en fous complet, hein. Ah, une cabane. Ouais. Alors déjà ça commence mal, hein, voilà, non, bah, parce que je m'en fous, hein. Alors, 44 d'or, bah c'est déjà deux pièces de moins, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, 2 gemmes, waouh, c'est génial. Sinon, t'as quoi d'autre? Encore des hordes de gargouilles, putain. Si tu mets une cabane, mon gars, je crois que je te fous une grosse baffe. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait mettre la cabane, dis donc. Bon, allez, une tour à bombe, c'est tant oui. Ah, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Alors, du coup, un coffre d'argent. Peut-être qu'on aura plus de chance cette fois-ci. Au niveau des cartes. Alors, ah, une gobelin à lance. Ça, c'est bon, ça. Non, mais 5 Tesla. Mais tu m'as pris pour qui? Oh, dis. Non, mais non, annule. Oh, j'aime pas Clash Royale pour ça, mon gamin. Après ce putain de combat involontaire, voilà, parce que Supercell casse les couilles encore une fois, on va pouvoir finir notre putain d'ouverture de pack. Voilà. Donc pour ceux qui sont curieux, c'est une égalité qui s'est passée. Voilà. Allez, c'est parti. Hein. Alors du coup, on va ouvrir le coffre d'argent. Voilà. Alors, 42 pièces. Oui, bah c'est pourri. Hein. Ça, on le savait. Un squelette. Ça, c'est pas mal. Par contre, tu sais que tu peux augmenter le nombre, genre 5, 6, tu vois, c'est faisable. Hein. Donc, du coup, t'as quoi d'autre? 5 gargouilles, ça passe. Ça passe, franchement, c'est pas mal. Alors, à part ça, t'as quoi d'autre dans ton stock? 41 d'or, pourquoi pas. 5 gobelins, voilà, là, c'est intéressant, tu vois. Là, ça sert à quelque chose d'ouvrir ce coffre. Et un chevaucheur de cochon. Là, tu fais plaisir. Là, c'est clair, tu fais plaisir. Donc, du coup, on va ouvrir maintenant le coffre d'or. Qu'est-ce qui se passe derrière le coffre d'or? Intéressant, on se demande. Allez, le suspense est insoutenable. 150 d'or, c'est plutôt pas mal. Sinon, à part ça, un gobelin. Waouh, tu sais que tu peux augmenter le nombre, juste comme ça, pour info. Sinon, on a quoi? On a 5 bombardiers. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Alors ça, par contre, tu te le fous dans le cul et tu vas à l'hosto si t'as envie, mais bon. Putain, et 2 mini PK. Oh, c'est de la merde, les mini PK. C'est vraiment de la merde. Enfin bon. Donc, du coup, on a eu n'importe quoi. Non, mais s'il te plaît, 2 mini PK, quoi. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça sert à quoi, un mini PK? Tu fais la danse avec. Wouhou, tin, 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 tin. Wouhou, tin, 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 tin. C'est tout. Sinon, tu fais rien avec ton mini PK, quoi. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce deck qui est plutôt bien en défensif. Qui est nul en attaque, certes, mais bien en défensif. Donc, ouais, parce que celui-là, j'arrive plus à le manier. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à le manier. Sans aucune raison, hein. J'ai augmenté ces deux troupes-là. Et après, j'ai plus réussi à le manier. Pourquoi? Je sais pas. Donc, du coup, on va tout simplement. Merde, on va pas faire le con. Voilà, on va prendre ça. Et puis, on va attaquer. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, du coup, on va attaquer. Et puis après, on ouvrira le coffre à couronne. Donc, on va prendre une ou deux attaques. Et puis, voilà. Donc, du coup, on va mettre les barbares, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'il a en face. Ok, alors le mec, tu vois, il a vraiment cru qu'il allait me gruger comme ça. Regarde, des petits squelettes, et bim, le mec se fait nickave. Donc bon, c'est pas bien compliqué à faire. Il suffit de mettre des squelettes et c'est bon. Donc du coup, on va pas mettre la tour maintenant, ça sert à rien. Voilà, donc là, on est en train de niquer une tour en 2 secondes chrono. Hein, le mec a rien compris à sa life. Ce qu'on va faire, on va mettre une pierre tombale, et on va attendre. On va attendre. On va voir un peu ce qu'il fait. Voilà. Donc dès qu'on est à 10, on pose les barbares. Ok, on est à 10, on pose les barbares. On met des petits archers en soutien. Et puis après, on met tout simplement une tour à bombe.
Attends. J'ai dit une tour à bombe. Voilà, nickel, là c'est bon. Donc là on est en train de se faire niquer, j'aurais peut-être dû mettre les squelettes à la place. Ah ouais, non mais comme quoi je réfléchis pas très bien des fois. Ah bon, c'est pas très grave. Voilà. Oh là là, on a fait que de la merde. Mais alors vraiment que de la merde. Bon à la limite on lui a pris une tour, du coup c'est pas mal mais... Mais bon ça fait chier quoi. Ok. Alors là il est en train de bien me niquer. Donc du coup ce que je vais faire... C'est... Je sais même pas ce que je vais faire, tiens. Je sais pas. Je mets les squelettes ici comme ça, mais je sais pas ce que je vais faire. Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi. Mais attends, t'as cru que t'allais me gruger comme ça, gros? laisse-moi rire un petit peu quand même, hein. Non mais attends, voyons donc. Je suis pas aussi débile que ça. Hein, tu penses bien? Bon. Là, vraiment, on est dans la merde. Ah, je vous le dis clairement. Parce que là, on a fait n'importe quoi. Donc va falloir se rattraper un petit peu, parce que là, ça va pas le faire. Donc on va attendre que le dragon y passe. Voilà, donc là on a les archers en plus, on a quelques squelettes. Ce qu'on va faire, on va mettre eux. On va mettre eux. Et on va mettre eux. Voilà. On va mettre les petites archers ici. Ah, mais même pas besoin. Bon, dommage. Voilà, voilà, ça fait plaisir. Regarde-moi tout ça là. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Oh putain. Oh, c'est magnifique. Non, mais là, franchement, on a géré de ouf. Non, vous avez vu ça un peu. On a fait 3 étoiles avec ce deck. C'est plutôt pas mal. Vu que c'est un deck de défense. Franchement, on lui est rentré comme ça. Ça fait pouf dans sa gueule. Ça, c'est bon, ça. Ouais, donc ok. Nickel. Voilà, donc on va se faire encore une petite attaque. Donc ça, elle était pas mal. Donc c'est cool. Et puis, on va se faire une autre attaque. Allez, c'est parti. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire ça. Ah d'accord, tu vois direct le mec. Tu sais très bien à quoi il va jouer, le mec. Ah ouais, non, mais tu le sais déjà. Dès le début, tu sais que ça va être un gros fils de pute que j'ai envie de foutre 2-3 tartes dans la gueule. Tu sais déjà. Oh, j'adore ce jeu. Oh, y'a que des connards sur ce jeu, c'est magnifique. Bon. Ok, alors le mec a tout compris. Mais vu que le mec a tout compris, moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aussi tout comprendre. Regarde, c'est gratuit, hein. On comprend tout, voilà. C'est génial, j'adore tout comprendre comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hésiter l'autre connasse. Hop là, oui, youpi. Ah, c'est génial, on adore. Donc du coup, ah le monsieur nous a fait très très mal. Eh ben c'est pas bien tout ça, hein. Allez, défonce-lui la tour s'il te plaît, en espérant qu'il ait pas de gargouille ou je sais pas quoi. Ah, il a des bombardiers, enculé. Ouh, l'enculé a un bombardier. On est dans la merde. Ah, je peux te le dire. Allez. Ah, que dalle, nada. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. Ouais. Ok, nickel. Oh, franchement, là on est en mode gros GG. Ça c'est génial. Tu vois, il nous a niqué juste une fois notre tour, c'est tout. Hein. Oh putain, c'est génial. Non, mais c'est le kiff total quand ça se passe comme ça. C'est le kiff total. Ce qu'on va faire, on va mettre les gobelins à lance ici. On va mettre le petit. Non, on va peut-être pas le mettre si quoi que s'y attend. Regarde. Tu vas voir, petite astuce. On va se faire niquer, tu vois. Ça va être marrant. Putain, mais regarde ça. Ah, quoique. Oh, ça va. C'est pas si pire que ça. Allez, tue-moi tout ça, là. Bon, au final, que de la merde. Oh là là, que de la merde. Vas-y, nique-moi ça. Voilà, il est content. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait jouer à ça, ce fils de 1. Ouais, il est content. Ah non, mais il y en a, ils sont contents, comme ça, des fois. Ils font de la merde, ils sont contents. Allez, hop, nique-moi sa tour de merde, là. Sa tour de pise. non, pas du tout en fait. Mais bon, voilà. Et bien que je dise de la merde, non? Vas-y, casse pas les couilles, gros. S'il te plaît, casse pas les couilles. Allez, on va bien te niquer là. Wow. On va bien te défoncer, bien dans Olio. Vas-y, envoie-moi ces flèches à la con. Bim. Ok, nickel. Bon, ça va, ça passe. C'est pas si pire que ça. Allez, t'as vraiment cru que t'allais me gruger, mon gars? Non, mais attends, tu sais pas qui je suis, moi. Hein, je suis un grand ouf, moi. Je suis un grand malade dans ma tête. Attention. Non mais regarde ça un peu, regarde ça, il va y avoir égalité là. Oh, dis. C'est pas possible ça, hein. D'être aussi mauvais. Il est mauvais ce mec, mais il est mauvais. Bon, c'est pour ça d'un côté qu'il défend à mort, mais bon. Du coup, ce qu'on va faire. Mais non mais regarde, le mec il a vraiment cru que ça allait faire quelque chose de faire ça quoi. Non mais le mec il est un peu con dans sa tête. Allez, du coup, on va mettre les barbares et on va essayer de mettre les bouchées doubles. Alors, on fait ça.
Et on prépare les petites... Oui, voilà. Allez, voilà, donc moi, je nique un peu sa tour, hein. Je suis un gros fils de pute, voilà. Allez, voilà, ça, c'est cool. Allez, voilà, youpi. On a joué à sa connerie. Et on va gagner grâce à ça, non? Non, mais bon. Le mec, voilà, il joue à ça. Ben, on joue à ça, pas de soucis. Allez, on va attendre un tout petit peu. T'es con, on va lui niquer sa tour de gauche. Non, je sais pas, j'ai envie, je me sens chaud, là. De niquer sa tour de gauche. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Si il arrêterait de bugger un petit peu mon truc. Voilà, t'as vu ça un peu? Regarde, regarde, regarde. Oh, regarde, regarde. Regarde. Regarde ça un peu, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Oh, il s'y attendait pas, le fils de... Oh là 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 là. Oh putain. Et encore, il a pas trop joué à la boule et tout, Fireball. Donc il est très sympa d'un côté. Donc bon, ça va. Il a pas joué à la Fireball. Je croyais que c'était un connard, le mec. Mais finalement, pas tant que ça. Mais franchement... Ah, oh, épique. Épique. Non, mais tu vois, je voyais que de droite, quand c'est toujours comme ça. Dès que tu vois que de droite, tu n'y arrives vraiment pas, et eh ben tu sais quoi, il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas de gauche. Ou même l'inverse, hein, si de gauche, tu vois, le mec, il défend trop, tu vas à droite. Et franchement, suivant la situation, tu gagnes de ouf. Voilà, donc du coup, ça sera tout pour ces deux attaques. Maintenant, on va ouvrir le coffre. Et puis voilà, allez, c'est parti. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Mais je suis désolé, mais bon, quand t'as les fils de pute qui te niquent parce qu'ils ont les roquettes... Il y a un moment, ça commence vraiment à casser les couilles. Ça commence vraiment à me vénère. Il y a tout le monde qui joue à ça et ça casse les couilles. Il y a un moment, faut arrêter d'être con. Arrêtez d'être des fils de pute. Faut arrêter d'être des fils de pute. En jouant comme ça, vous traitez votre mère de pute. Alors arrêtez. Putain. Enfin bon, après un gros fils de pute qui m'a niqué parce que c'est un fils de pute, on va ouvrir ce dernier coffre qui lui est sympathique et va m'offrir... Une carte épique, j'en suis sûr. Allez, on commence. On va avoir du 156 d'or, donc c'est plutôt pas mal. On va avoir deux gemmes, ça c'est bon. On va avoir un squelette, c'est pas non plus énormément beaucoup. On va avoir 5 gobelins à lance, ça, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? 12 chevaliers, ça c'est énorme. Allez, au moins une carte, rare. Allez, une carte rare. Allez, 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 suspense. Allez. Ah non, mais de Valkyrie, quoi. Non, mais s'il te plaît. C'est de la merde, la Valkyrie. Putain, ça fait penser à la vache Kyrie, tu sais. Ah, c'est bon, on a le droit de rigoler. T'sais. Vache Kyrie, à moitié dans ton lit. Pas mal, pas mal. Bon. Eh ben, non mais, ouais, franchement, là c'était de la merde ce coffre. Et puis l'autre connard qui m'a saoulé là avec ses putains de roquettes de merde. Et en plus le mec il a bien fait genre un, ouais, youpi, j'ai gagné. Comme un connard de merde là. Le mec il se croit fort et tout, mais c'est une grosse merde le mec. Le mec, j'allais l'étaler par terre le mec, il avait le deg. Bon, bah, du coup, moi, je vais bosser sur ça. Putain, 1072 trophées, quoi. Mais je fais que descendre en trophées parce qu'il y a que des fils de pute aux roquettes, quoi. Mais ouais. Mais... Casse les couilles, ça. Ils savent pas jouer, les gens. Ça m'énerve. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils s'achètent une vie ou j'en sais un. Qu'ils s'achètent un cerveau, j'en sais un. Ça casse les couilles. Bon, moi, je vais vous laisser. Ça fait quand même 40 minutes que je joue à jeu, hein. Ouais, ouais, non, mais bon, un petit peu quand même. Et puis voilà. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis ciao. À une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao.